Ah, on s'est bien battu. Quelle est la prise? On sait quand, c'est certain. Je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se faire oublier. Excellente idée. Mais comment va-t-on se débarrasser de cette notoriété? En payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats, et les militaires fermeront les yeux. Je vois. Je crois que je vais devoir aller rendre visite aux Samaritains. Tu comprends vite. Oh, Kenway, t'as besoin de disparaître. Ton innocence me touche. Je vais m'adresser aux autorités. Tu m'impressionnes, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Seigneur, tu dis vague, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater.
de la toile. Prenons un peu de vent. À vos espars. Je veux de la toile. Toute la toile, il peut le supporter. Déferlez huniers, perroquets et cacatois. Allons, panique. Prêt à faire feu. Feu. Bon sang, faut rectifier le tir. La Gwen. Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordants de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford.
Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré l'indiscipline caractérisant votre entreprise, je vois que vous ne manquez pas de discernement. Beaufort, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Aïe, sir. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Tenez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. J'ai vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford vous parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, le visionnaire. Ton idée me plaît. Je les vois aussi. Sur bâbord ! Ce butin nous tend les bras ! Agrippez-vous ! Un navire approche ! Plus de toiles, toutes les voiles. Là-haut,
Réduisez la toile. Serrez les voiles. Hurlez. Faire les tout. Grimpez. Allez, on s'active. Toute la toile au vent. Lâchez tout. Et fermez. Donnez de la toile. Garguez les cacatois et les huniers. Réduisez la toile, les gars. Doucement. Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les boudir. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau? Ou autre chose? Les jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Envoyez toute la toile, en route! Les huniers et les cacatois! Le bon mettant par là-bas, capitaine! Capitaine, sur tribord! On dirait qu'il y a un survivant! C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre! On veillera sur le jackdaw. Ce désordre. Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Et vous en profitez pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur, tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout?
J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? La clé par tous les diables! Que quelqu'un m'apporte cette clé! Y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez me chercher la clé de l'entrepôt! You can curse me later. Now you work. Georgie'll relieve him of more of its burden soon enough, I'll warrant. Down below, baby Susie, yeah. For that
us. We're all bound over the mountain. Up socks, you cocks, hand her to blunt. Wave to Sienna. And go below to your old ditty box. We're all bound over the mountain. Oh, rock and shake, one more drag. Wave to Sienna. Oh, bend your duds and back your back. Toute la toile! Vive Berlin, perroquet, les cacatois! Vivement les guerres! Garde toute la toile! Le capitaine est dans l'eau! À notre République pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kenway. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête ? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Trésors finissent brisés sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte ? Mille fois plus. La mer a englouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai besoin de prendre des risques face aux navires marchands. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Nos ennemis quadrillent ce secteur, capitaine. L'allure. On ne sait pas sur quoi on peut tomber ici. J'ai l'impression de regarder à travers une cascade. Arrêtez de pleurnicher, les gars. Je sais ce que je fais. Toi, bonnette! J'ai perdu l'unier, perroquet!
être tout prêt, capitaine. Ennemi 3 sur nous! Un manoir! Un pavillon espagnol! Il a l'air d'être tout seul! Je pense que le danger est écarté. Toi ? Plutôt une vieille connaissance. Je dois dire,
Avec Seymour depuis si longtemps que j'ai fini par le respecter. Se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Une place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier ? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord.
Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient « Aïe !» Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Thank you.
souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin! Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Boccanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous! J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux, parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh. Bonjour. Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début. Alors, notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères. Regarde ton communicateur. J'y ai ajouté l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. Olivier est un type bien, t'as pas tant fait. Et Olivier vous attend. Eh bien, à moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne, je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway est le... Mais c'est... C'est avec ça que Hollywood a fait ses grands débuts, non? Les films de pirates. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Et maintenant, on a accès au truc authentique. Oui, oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des actionnaires. D'accord. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, Laetitia. Salut, ça va? Merci de ta visite, j'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction.
C'est une très belle ville, non? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais, cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images. Alors, je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît.